Yo, consommez la sainte Pignes. On se retrouve sur Captain Tsubasa. Nous sommes vendredi matin. C'est le Cofimage. Je suis en live sur YouTube. Il n'est pas 9h. Puisque la mage avait un petit peu de retard. Mais j'ai mon café. Et il y a une vraie mage. Info, annonce pour le 27. Je crois qu'il y a suffisamment d'annonces à regarder comme ça pour pas aller regarder les annonces pour le futur. Mais on va quand même faire un petit tour. Tac, 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 tac. Alors, limité à 3 fois par personne, Black Friday, recrutement monté en palier spécial, avec 2 joueurs SSR garantis au palier 3. Avec 1 joueur SSR garanti au palier 1. Donc ça doit être 1, 1, 2, j'imagine. Donc 4 joueurs SSR garantis. Avec le Schneider Club. Non. 2 joueurs SSR garantis au palier 2. D'accord. Donc 5 SSR pour 3 paliers. Je sais pas combien sont les paliers. Je sais pas combien sont les paliers. Ok. Bon, après, il faut voir qui y a dans le portail, mais je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée de faire ça. Joueur garanti à choisir. Choix entre eux et obtient un joueur parmi 10 joueurs SSR. Bah voilà, vous êtes contents, les mecs. Le ticket couleur est revenu. Il est payant. Il est payant, mais il est revenu. Ok. Ok. Bon écoutez, c'est la boutique et je vais passer. Pourquoi j'ai pas le droit de. Merci, s'il te plaît. Alors, information sur la mise à jour. Tout ça, normalement, il n'y a rien qui a changé. On a regardé mercredi. Donc, on devrait pouvoir passer. Match en ligne, affichage des paramètres, équilibre, coût critique, recrutement pièce. Tellement de trucs à voir. Tellement de trucs à voir ce matin. Mise à jour, match en ligne, c'est pareil, on a dû regarder. Ouais, bah tu fais bien de t'excuser. 13% pour les juniors quand même, hein. Il est pas dégueu. Hein. Allez, contenu de la mise à jour, c'en est vu, dur de la campagne, mission quotidienne. Alors, mission quotidienne, c'est du 23, donc c'est demain ça. À partir de demain, il y a des missions quotidiennes. D'accord, donc des Dream Balls. C'est au pluriel. Hein. Ballon noir, c'est au singulier. Les Dream Balls sont au pluriel. Donc voilà. Ah, regardez. Ah, recrutement pièces. Avec les pièces en poche des joueurs rares et des ballons noirs. Période. Donc c'est déjà en cours. Donc on ira voir. Impeccable. Non, alors toi, cette fenêtre-là m'agace. Jusqu'à 5 fois par jour dans ce recrutement à pièces. D'accord. Ah. Ah, en fait, c'est un portail. Ah, c'est pas drôle, ça. C'est pas drôle du tout. Donc, c'est pas du tout un... On pourra pas acheter des joueurs en boutique. C'est juste un portail qui va être peut-être aussi dégueulasse que le portail avec les tickets qu'on obtient quand on invoque, là. Il faudrait peut-être une petite mise à jour de ce truc-là. Ce serait pas mal. Alors, cadeau pour tous. Les 150... Quand Dream Balls, ça, la première partie, elle est terminée, on les a déjà reçus. Là, on a reçu la deuxième, on va la recevoir tout à l'heure. Ok, c'est juste ça, ça marche. Jusqu'ici, tout va bien. Tu peux arrêter de me remonter à chaque fois le truc, ça m'agace. Deuxième anniversaire, compte à rebours. D'accord, donc là, c'est le bonus de co. Ce soir. Voilà, donc c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Connectez-vous, enfin fin d'après-midi, ce soir, connectez-vous. Ne vous connectez pas que le matin. Sinon, vous allez perdre une journée. Et une journée dans la vie de Tsubasa, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Récompense. Ticket de recrutement, mon entier, machin, tout ça. Donc on avait vu la dernière fois, hein, les tickets de recrutement sont à utiliser avant l'anniversaire. Donc avant le... Avant le 4, non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Alors, l'event à points. C'est l'event à points, hein, c'est ça. C'est l'event à points. Avec le calce. On ira regarder le calce. Parce que y a des choses à dire sur ce calce. Il est marrant. Il est très drôle. Alors, nous avons les 3 Youves qui permettent d'avoir plus de points. Sachant que j'en ai aucun, je vais encore.
être à la traîne au niveau des points, c'est génial. Liste des joueurs effectifs. Voilà, hop là. Alors, 40%, 20%. Ah ouais, mais il n'y a rien d'autre en plus. Et 5% pour les joueurs de club européen UR. Voilà. J'ai commencé à passer les joueurs de club gratuits en UR. Bah, faut que je termine, hein, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Alors, le Cals. Donc, la version tech qu'on pourra... voilà. Donc, on chope la version tech. Là, pour ceux qui ne connaissent pas les events à points. On récupère donc des Cals SR. Et quand on les éveille en SSR, leur technique spéciale passe au niveau du rang A. Il ne faut pas les fusionner, les SR. Parce que si vous les fusionnez, vous allez retrouver avec une spé C40, par exemple. Si vous êtes allé jusqu'au bout. Mais il en faut 100 quand même. Si vous le passez en SSR, ça devient un dribble de rang A1. Ça se cumule pas. Ah. Donc il faut tous les passer en SSR, ça coûte beaucoup de ressources. Je ne le fais jamais. Et vous allez de toute façon dropper quelques SSR. Qui vous permettra, si vous farmez à fond l'event, vous allez choper suffisamment de SSR pour avoir une bonne spé A tacle du hérisson. Voilà. Et on a le Cals bleu qui sera donc le meilleur Cals à récupérer sur, enfin, soit sur le classement, mais il va falloir y aller, hein. Soit sur le ticket qu'on récupérera avec de la chance. La formation 4-2-1-3, endurance plus 10. Alors moi je suis pas fan du tout. Alors pas du tout. Un seul milieu offensif. Vu les teams, ça c'est pour le Japon, si vous voulez. Mais que ce soit l'Europe ou la Sudam, il y a tellement de milieux offensifs qu'avoir une formation à un seul milieu offensif, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Pardon, pas la Sudam, l'Amérique latine. Excusez-moi. Voilà, et des badges, et donc les fameux tickets qu'on pourra récupérer pour avoir le calce bleu. Alors, concernant les récompenses... Ah, ça bloque à chaque fois, ça m'énerve. Excusez-moi. Récompense de classement, bon, on ira voir la récompense de classement, les périodes de boost pour doubler vos points. Je vous rappelle que les points sont calculés en fonction de la stam que utilise un niveau. Si vous avez un niveau à 62 stam, vous récupérez de base 600 points. Si vous avez 100% de boost, vous récupérez 1200 points. Et si vous avez 100% de boost plus une canette de 100%, ça fait 1800 points. Parce que c'est 100% sur la base, donc sur les 600, et non pas sur vos 1200. Voilà, petit rappel. Et le recrutement européen qui me fait très très mal. On avait déjà vu, donc le Matteo qu'on ira voir, et puis surtout les write-up de folie. Avec plein de cohésion verte. Bon, je passe, on l'a déjà vu. On a déjà vu. Alors, vas-y, les bonus de co, balance. Quand tu veux. Merci. Les 50 Dreamballs. Ah, ça fait plaisir. Et donc, ce soir, bonus de co. Ah, pas maintenant. Ça rame ce matin, ça m'agace. Voilà, donc j'ai 162 Dream Balls. Je ne les fais plus, ces events. Oh, les vilains! Le rapport investissement-temps récompense trop disproportionné. Pour le faire à fond. Ouais. Disons que soit vous êtes dans une bonne conf. Dans ce cas-là, ça vaut le coup d'aller chercher... 75 Dream Balls, ah bon. Dans ce cas-là, ça vaut le coup d'aller chercher... d'aller chercher plus loin. Comment dire, de farmer, de continuer à farmer pour avoir un bon classement conf pour aller gratter des récompenses. Si vous n'êtes pas dans une grosse conf, bah une fois que vous avez atteint les 200 000 points, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'intérêt à les farmer, sauf pour aller farmer l'aspect du Cals. Mais c'est chiant, ça coûte beaucoup de ressources, et encore faut-il que ça vous intéresse. Alors, les Dreampo, un recrutement ticket SSR. Ah oui, j'ai des tickets SSR à invoquer, cool. Et donc voilà, donc le Schneider potentiel qui est offert. Alors j'ai pas fait gaffe du coup pourquoi on nous l'offrait. Je sais pas si c'est un dysfonctionnement ou un simple cadeau.
je sais rien. Donc le Schneider junior potentiel et le Tsubasa très fort depuis le début. Voilà, voilà, voilà. Alors, plein de choses à aller voir. Plein de choses à aller voir. Ah, j'ai encore un cadeau. Ah bah vas-y, rebalance un cadeau. Ma conf, c'est mon fils et moi. Ah donc, aller chercher le classement conf, ça va être compliqué. Effectivement. C'est bon. Et vous l'avez appelé la conf, la MIFA. Allez, boutique. J'irai faire le niveau. Comment ça s'appelle? Le niveau du Dream Pool, là, pour récupérer des tickets. Et on ira choper un SSR sur le Dream Pool. Normalement. À moins que j'ai pile pas ce qu'il faut pour aller chercher le SSR, ce sera un peu dommage. Ce sera un peu la loose. Mais normalement, c'est bon. Alors, marché événement. Ah, attendez, marché événement, il y a quoi là? Il y a la Jouve et puis. L'event qui est terminé et qu'il faut que je dépense mes médailles, c'est ça? Ouais! J'ai fait une single! J'ai rien eu. Of course. Même pas. Alors, marché. Est-ce qu'ils ont rajouté donc du coup le nouveau marché? Ah non, c'est un recrutement, je suis con. Alors, Pépé, est-ce qu'ils ont rajouté des trucs du coup? Ballon noir, ballon noir. Ils ont pas rajouté des médailles? Non, ils ont pas rajouté des médailles. J'ai un truc à acheter là ou pas? J'y vais tellement jamais dans cette boutique. J'ai besoin que du Müller que j'ai eu en premier. Ah bah, bien. Ça fait plaisir, parce qu'il y en a, ils se sont fait tellement violenter sur ce Dreampo. Spécial dédicace à... Attends que j'écorche quand même pas ton pseudo. Spécial dédicace à... Calitararo. Voilà. Alors, j'irai faire au moins la single hein, sur le... Ah, moi je fasse carrément une multi hein, sur le portail Europe, mais bon, ça me saoule un peu. Il me reste 5. Ah, ça se trouve, je vais pas pouvoir. Donc voilà, le portail anniversaire. Bon, on voit des joueurs qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais bon, on verra. Temps restant jusqu'à l'ouverture, 11 jours. Non, mais dans les news, il y a marqué. Donc c'est bien ce que j'avais dit au départ, c'est que ce sera ouvert à partir du 4-12. Dans les news, il y avait bien marqué qu'il fallait les utiliser avant le 4-12. DB de compensation. Et deux SSR dans cette vidéo, et le voilà, le fameux recrutement pièce augmente de grade dans les matchs en ligne et améliore le niveau de recrutement. 5 fois par jour, et là je peux le faire avec des pièces. Je comprends rien du tout. D'accord, on peut le faire avec des pièces. Alors, fait des recrutements à l'aide de pièces jusqu'à 5 fois par jour dans son recrutement à pièces. Plus tout monte en grade, plus les recrutements sont intéressants. D'accord. Donc quand on fait du PVP, on ne récupère pas des pièces ou des jetons. On ne récupère pas. Par contre, en fonction de notre rang, bronze, argent, or, platine, superstar, on a un meilleur taux, effectivement. Pour aller dropper du... Donc un ballon noir, d'accord, ce sont que des ballons noirs qu'on peut récupérer? D'accord, ce sont que des ballons noirs. Ok. Pour technique spécifique, pour joueur spécifique. Ok! Ouais, je vois ça. J'ai 350 millions, je suis tranquillou. Bah, il faudrait pas qu'il monte en rang, parce que là, tout le monde a dépensé ses pièces. Et après, ils vont débloquer le rang, ils vont limit break le rang des confédérations. Et là, on va être pauvre. Bah, 96 millions, je suis pas mal, je suis pas fou non plus, hein, vu que on est maxé, on est fait conf, donc...
Donc ne claquez pas là. Je vais faire la single. Mais sinon, ne claquez pas là. Hein. Attendez de monter en rang. Hein. Et un bon petit ballon R. Ou N, d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Ah non, on peut pas. Non, c'est ballon SR. Ah non, R. J'ai pas fait gaffe. Voilà, je suis très content d'avoir fait la single, là. Mais au moins, ce sont des ballons. Ok. Donc on va pouvoir se mettre bien sur les ballons. Recrutement conf, les points, tout ça, ok. Eh bien, 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 bien. Bon, un peu de nouveauté, c'est cool. Ouais, je joue en même temps, ouais. Donc les matchs en ligne, on ira voir. Et si on a le temps, il est quoi, 10h05, on essaiera de se faire un match. Ouais, on essaiera de se faire un match. Événement, j'ai fini le road, hein. J'ai pas commencé le X, mais j'ai fini le road. Juste pour info. Pour ceux qui se poseraient des questions sur boost en cours, forcément. Premier boost est toujours à 10h, mais en général, la mage finit à 9, voire à 8. Alors, on va regarder s'il y a eu des changements, mais je ne pense pas. Je couperai ça sur YouTube, hein, si jamais il n'y a rien eu. C'est bien, hein. Ouais, ça laisse le temps de jouer, hein. Voilà. C'est cool, ça se passe bien. Ah, ah, North Face direct, premier. Alors, les récompenses de classement. 50 Dream Balls. Alors, tac, 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 tac. Le dixième, ça c'est pas pour nous. Là, ça commence à être un petit peu plus pour les psychopathes de nos confs. Hein. Ah, millième place, c'est quand même 10 Dream Balls, ça se fait. Hein. Ok, et le ticket qui est là, 750e, millième. Ok, bon, alors ça c'est du grand classique. En classement confédération, ils ont mis les mêmes paliers. Ah bah non, mais ça c'est les classements. Hein. Voilà, 200e, on est bien. Si on peut y arriver, ce sera pas mal. Sinon, 300e. Alors, récompense confédération, ils ont pas bougé, j'imagine. Le ticket à 3 millions, mieux, 10 millions, et après tous les 5 millions. Ils sont vaches. Ils sont très vaches. Et là, donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller chercher le palier à 200 000 points. D'accord. Des tickets pour le Dream Pot. Ok, pourquoi pas. Là, un SR garanti du Dream Pot. Tac, 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 tac. Arrête de bloquer, tu m'agaces. Il repart en arrière en plus, cet imbécile. Donc, pas mal de petits tickets SR à récupérer. Bon, je pense pas qu'on puisse choper les Youv hein, sur les tickets SR. Pas déconner. D'habitude, il y a ça, mais bon. Voilà, pas mal de Dream Ball, ça se fait. Le palier des 100 000 avec la formation. En argent. 120 000, 140 000, 150 000. Le ticket SSR. 100 000, 70 000, 180 000, 190 000. Au 200 000, c'est... Ah, c'est 1 x 5. Ah, c'est un ballon plus 5. C'est un ballon plus 5. Ils ont un peu augmenté. Et puis après, bah voilà, c'est ça. Donc, soit vous voulez farmer l'aspect, dans ce cas-là, vous continuez au-delà des 200 000. Soit vous vous arrêtez là, soit vous êtes dans une bonne conf. La SKC, je vous surveille. Hein. Ah, et dans ce cas-là, il faut aller chercher un classement en confédération. Pour aller récupérer peut-être des petites récompenses en plus. Voilà, voilà. Je vois toujours pas la mage. Ah mais c'est ça, je joue sur iPhone. Alors, donc on a vu ça, on a... Faut aller voir les joueurs maintenant. Alors je regarde un peu vite fait les matchs en ligne maintenant. Match classement, match amical. Ah, c'est fini le mode automatique?
Les matchs en ligne étaient bloqués, je m'attends à expliquer ce que c'est le match en ligne, ce match, les matchs intérieurs contre trop d'autres joueurs, voilà, le match des cordes, les cordes, force des joueurs, tout ça, pour briller. D'appellation plus prestigieuse, la fameuse médaille en ligne, fais ton mieux, vise le grade supérieur, la médaille peut changer contre le marché, ça on a vu. Teste ta force, des rivaux multiples, le numéro 1, là, c'est bon. Ok. Pourquoi 4 ? Pourquoi 4 ? Pourquoi il y a un truc 4 ? Ah oui, mais c'est par jour, c'est vrai. 4 fois par jour. Alors. Ah, je peux pas cliquer. D'accord. Faut cliquer là. D'accord. Vas-y, pose la question, Alex. Sauf si elle est vraiment très personnelle. Ah. Alors, les premiers. Donc, c'est tous les mois. J'avais dit tous les mois. Ballons à SSR, 20 ballons à SSR. D'accord, donc pas de Dream Balls à gagner, que des ballons. D'accord, ok. Récompense de grade. 50 Dream Balls. Ah si, elles sont là les Dream Balls. D'accord, mais ce sont en grade. D'accord. Eh, il y a quand même des... pas mal de Dream Balls à se faire tous les mois. Falloir que je me sorte les doigts, comme on dit. Écoutez, c'est cool, c'est quand même cool. Je voudrais pas dire, si vous êtes débutant 1, on vous donne quand même une Dream Balls. Ça fait pas grand chose une Dream Balls par mois, on est bien d'accord. Mais sur le principe, je trouve ça cool. Sur le principe. Moi, je dis oui. J'ai aussi qui est SSR. Juste long à écrire la manette. Tu m'étonnes. Ouais, on vient d'avoir une petite attaque là. Bah oui, ça dépend effectivement de ta team et de ce que tu as besoin pour renforcer ta team. Ouais, tout simplement. Ah, ils sont là. D'accord. Un ticket SSR. Parce que j'ai été promu. Parce qu'on est tous en bronze, c'est ça ? Recrue 4, bronze, d'accord. Donc à chaque fois qu'on va changer de grade, on va récupérer ça une fois. Et je pense que tous les mois, on devrait... ça sera reset peut-être. Ce serait cool. Je suis pas sûr, mais ce serait cool. Mais je suis pas sûr. Argent, trop cher, trop grand. Ah ouais, or 50 Dream Balls. Ah, faut vraiment que je me bouge. Faut vraiment que je me bouge. Ça peut être assez sympa. Hein. Ok. Infograde, c'est quoi ? Cohésion Japtech. T'as tous les leaders ou pas ? Vous. Point en ligne, d'accord. Ah oui, ça c'est juste les matchs promotion, avoir 2 victoires en 3 matchs. 3 victoires en 5 matchs. 3 victoires en 5 matchs. Ok. Bon. Peut-être marrant de suivre un peu l'évolution de chacun. Un seul cohésion Japtech. Ah bah de garde tes tickets. Garde tes tickets. Parce qu'ils sont pas dans les tickets. Donc attends que ça vienne. Attends qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Ok, bon. Bah écoutez, plutôt pas mal. À voir. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se reset ou pas tous les mois. On verra, ce sera donc pour le 27-12, donc le 28-12. On verra comment ça se passe, mais franchement, c'est pas mal. Et en régulation, il n'y avait rien de toute façon. Ah si, bah si, c'est vrai. Alors ça, normalement, c'est en fonction de votre grade.
Ah, c'est pas marqué là. Attendez, résultat de la saison. Excusez-moi, je passe un peu de temps, mais c'est vraiment la grosse nouveauté, donc... Ah, forcément, North Face, direct, premier. Ils rigolent même pas, les mecs. Oh, les gars. N'empêche, petite conf FR comme ça, en tête partout, ça fait plaisir. Liste des récompenses, classement, conf, famille, top. Ok, bon, ça, allez, on repart. Donc, bon, voilà. Ah, on verra. Mais ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Pas mal de récompenses, ça motive. Si jamais on fera les tests hein, au niveau du PVP. Enfin, on fera les tests. Moi, je ferai ce que je peux. Hein. Mais en tout cas, on verra au fur et à mesure. Et puis, on relayera les infos, bien entendu. Voilà. Les joueurs, c'est parti. Allez, répertoire des joueurs. Hop! On va commencer par le Kaltz. Hermann Kaltz. Donc on va directement aller voir le bleu. Hein. Parce que le tech, a priori, il va pas servir à grand chose. J'ai checké vite fait le tech. Ah ouais, le tech il donne 7% aux joueurs juniors. Normalement, vous n'en avez absolument pas besoin. Et il a pas de passif, il a rien. Donc on va pas parler du tech, bien entendu. On va parler du bleu. Un des joueurs préférés de club. Et il y a des choses à dire. Crotte, va falloir que j'y aille. Non ! Reviens ! Reste ici. On va pas le savoir. Donc joueur junior. Ok, 979 d'endurance. Voilà, c'est moins de 1000. Mais c'est correct. Mais ça va avoir son importance. Pardon. Les stats dégueulasses. Suivant. Ça sert à rien. Des stats dégueulasses partout. Réveil des joueurs juniors. Donc encore un 13%. Donc les gratuits ont 13%. C'est assez facile de monter une team à 39%. Quand même pas mal de joueurs gratuits à 13%. Il a 3 SP de rang A. Défense du hérisson, tacle du hérisson, interception artistique. Ok, donc ça peut être pas mal. 4 sans stam. Ouais. Mais surtout, voilà le truc. Bonne lecture du jeu, paramètre 70%. 70%. Alors, 70%. Je vais vous l'activer. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, 75 400 en overall. C'est énorme. Dribble à 8000 avec 8100 de rapidité. C'est il est quoi déjà? MDDF. Le tir. Bon, tir ça suffit pas, mais quand même, 9179 de puissance. Tout est à plus de 8000, quasiment à plus de 8500. Hein. Le contre est à 8500 quasiment. Quasiment à 9000 en tacle, passe, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a des stats énormes. Partout. Avec la bonne lecture du jeu. Voilà. Si on regarde l'interception, voilà, 60 000 si on lui met l'interception de rang S, on a envie de tout lui mettre. Hein. Regardez-moi ses stats, il est au-dessus de 50 000. En tacle, en interception, en contre, en passe, en dribble. C'est un monstre. En bonne lecture du jeu, c'est un monstre. Il peut pas marcher contre le... Ah ouais, non, mais le tir aux F, hein, on est d'accord. Le tir aux F. Mais c'est un monstre. Voilà. Par contre, c'est la bonne lecture du jeu. C'est-à-dire que si vous faites le mauvais choix, bah, les stats sont... Enfin, il fera rien, quoi. Si vous faites les mauvais choix, il fera rien du tout. Et il a 979 d'endurance. Donc l'idée, c'est de ne pas faire comme le calce vert potentiel que j'utilise, le Dreamco, et de lui balancer toutes les speed de rang S. Parce que sinon, il va vite être fatigué, le bonhomme. Donc voilà, la régulation, on va dire, elle est à ce niveau-là, elle est au niveau de sa stam. Mais si ce perso-là, vous le mettez full à 80,
Et à la limite, l'interception, effectivement, de rang S. Bah, il est franchement pas dégueu. Voilà, si vous avez pas de... À la limite, je crois que je préférerais lui que le Dreamfest dans la Team Junior. Parce que le Dreamfest et l'interception automatique est sympa, mais il commence à être un peu just, hein, le pauvre Dreamfest. Salut Alex! Merci beaucoup d'être passé, d'avoir fait l'effort d'écrire dans le chat avec une manette. Là, vraiment, je... Respect. Respect sur toi et ton fils. Ouais, je respecte. Donc voilà. Un calce vraiment très, très sympa. Pile ou face. Un calce pile ou face. Mais si vous avez fait le bon choix, franchement très sympa. Voilà, pour le calce. Là, on va passer un petit peu moins de hype. Hein. On va passer au Matteo. J'ai enlevé la fenêtre. Ouais, bien. Alors, le Matteo, j'ai pas fait gaffe où ce qu'il était, le Matteo. J'ai pas fait gaffe si je l'ai passé, s'il est à droite, s'il est à gauche. Ciao, Matteo. Matteo. Ha ha. Matteo. Je suis parti du bon côté. Voilà, le Matteo. Enfin, il n'avait que un R, le pauvre bonhomme. Attaquez-moi. Ouais, attaquez-moi. Le Matteo. Voilà, la nouvelle étoile en attaque du pays du soleil. Voilà. 951. Moins que le calce. Je le souligne. Un dribble. Un peu juste. Un tir. Bah, 8600, c'est très bien, sauf que la puissance est à 6000... Enfin, c'est très bien. Oui, si, c'est très bien. Sauf que la puissance est à 6300. Et ça, c'est pas top. Une passe à 7500, c'est pas mal. Mais une technique à 5300, c'est pas fou. Donc, de base, il est pas fou. Donc, forcément, il a un passif qui augmente les stats. Vous n'êtes pas dupe. Et il augmente de 20% ses stats. Face au Jap. Voilà. Donc, c'est pas tout le temps. C'est que face au Jap. Sachant qu'il y a quand même un certain nombre de teams Jap cohésion qui ont donc des non-Jap à l'intérieur. Enfin, qui peuvent avoir des non-Jap à l'intérieur. Donc, forcément, c'est franchement pas le passif que je préfère. Hein. Je l'ai, hein, tueur de Jap sur le Schneider World Cup. Enfin, je peux vous dire que c'est pas le passif que je préfère. Voilà, quand ces 20% sont activés, il se retrouve à un tir à plus de 10 000. Donc ça, c'est très très bien. Mais il a toujours que 7574 de puissance. Et ça, c'est beaucoup moins bien. Hein. Au niveau de ses SP, son tir est à 440. Ce qui lui fait un tir à 62 400. C'est pas assez. C'est pas mal. C'est un bon tir. Voilà. Un bon tir. 62 400, c'est un bon tir. Mais c'est pas assez. Et c'est que contre les Japs. Si je l'enlève, s'il tombe contre Müller ou Zino ou Dolman, il a 52 000. Voilà. Il lui reste donc une passe à 50 000. Donc 415, c'est pas fou, mais c'est correct. Une passe à 50 000, c'est pas mal. Voilà, mais c'est que face au Jap, et avec tous les intercepteurs de folie Jap, je sais même pas si ça va suffire. Voilà. Bref, super cohésion, 8 joueurs au plus de type force européen. D'accord. Cohésion force Europe. C'est ça? Europe. D'accord. Ok.
Bon, bah, dans une Team Force Europe sur le banc. Ah oui, mais il est italien. Je confonds, excusez-moi, je confonds. Il est italien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, bon, bah, sur le banc, le garçon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche. Bref, excusez-moi. Petit craquage. Voilà. Fallait pas lui filer un 500. Non, un tir à 500, je l'aurais mal vécu. Sur Mathéo, j'avoue que je l'aurais mal vécu. Fais voir ce beau vieux Dick. On va parler de Dick, alors parlons de Dick. Dick. Oui, tiens, pourquoi j'ai pas Dick? Effectivement, il y a un nouveau Dick. Pourquoi il est pas là? Ah, il y a un problème d'affichage. Il y a un problème d'affichage, excusez-moi. J'avais oublié le Dick et du coup, j'ai pas du tout été le regarder. Ah. 10h25. Alors, le nouveau Léon. Alors, 952 d'endurance. Voilà, c'est un défenseur, ok. Il a combien d'overall? Il a 52 000, donc c'est de la merde, et donc je vais pas m'attarder dessus, je vais attendre le passif. Bonne lecture du jeu. Alors, cohésion, Europe, vitesse. Ok, il en manquait un, je crois. Si je dis pas d'annerie, il en manquait un. Faudrait que je regarde. Tac, 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 tac. Putain, ne bougez pas, je regarde vite fait. Est-ce que je l'ai? Où est-ce que j'ai mes trucs, moi? Profile, tweet, retweet. Tac, 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 tac. Ah, ça s'affiche pas là. Merde. Ah si, ça s'affiche là. L'habitude. Alors, européen tech, il y en avait 3. Donc c'est le 4e, effectivement. Effectivement. Bonne lecture du jeu. C'est pas Twitch friendly. C'est vrai. J'ai juste de me faire un peu... J'ai juste de me faire taper sur les doigts. 50%. 50%, c'est plutôt sympa. Avec une interception mégatonne. À 440. C'est pas mal. Le total football. Alors, Kaiser, Kleisman, Crawford, oui. Rasenbrick. Je sais pas comment ça se prononce. On va attendre un peu. Tacle puissant, passe puissante. Ok, 50%, c'est parti. Capture de fenêtre. 50%. Il y en avait déjà 3 avec Cellini, toi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, dis Léon. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes encore en train de vous... En vrai, à partir de l'anniversaire Jap, tu bouffes du Jap, et proche de la version globale, tu bouffes du non-Jap. Ouais, c'est à l'approche, on verra comment ça se passe. Et puis, on a eu du non-Jap à l'anniversaire, hein. faut arrêter avec ça. Hein. ça, je relayerai pas, évidemment. Salut, bon mirage. Alors, 50%, là, tout de suite, ça fait un petit peu plus plaisir. 7300 en dribble, 7400 en rapidité. Bon, pour un défenseur, c'est plutôt correct. Le tir aux F, tant mieux. La passe à 9300, c'est très bien. Avec une technique à 9000, c'est bien, c'est très très bien. Au-dessus de 10000, tacle contre interception. 7400 rapidité, ça on l'a dit. 8800, pardon. En puissance, on est pas mal. On est franchement pas mal. Vous voyez qu'on est bien placé dans à peu près partout. 65000 en interception. Nickel. 64000 en tacle, très bien. 66000 en contre, Mathéo, il ne passe pas. Impeccable. Alors 72000 le total football, il est monstrueux. Il est monstrueux. Dommage qu'on puisse pas le jouer. C'est dommage. Ok, même la SP1, hein, 52000 quasiment. Voilà,
Très bon défenseur. Très très bon défenseur. Encore une fois, c'est la bonne lecture du jeu. Si on n'a pas la bonne lecture du jeu, alors 43 000 en interception, on est pas mal. 42 000 en tacle, on est pas mal. Le compte, par contre, on n'y arrivera pas. Mais interception, tacle, on a, franchement, il y a moyen. 42 000, il y a moyen. Bon, après, encore faut-il monter CSP de rang S. Ça ne sera pas pour tout de suite, hein, j'ai envie de vous dire. Mais très bon défenseur. Les Hollandais se font un peu respecter quand même dernièrement. Ça fait plaisir. On ne sera pas mécontent de choper ce Léon-là. Dans les temps, l'ancien, il faisait un peu mal quand même. Il faisait un peu mal. Seul problème, la Stam. Bah oui, ouais, ouais, la Stam. Après, du coup, j'aurais tendance à le mettre défenseur latéral. Comme ça, il ne va pas toucher énormément de ballons. Sauf si vous faites dominer complètement, mais bon, là, c'est un autre problème. Pour pas qu'il soit trop en duel et qu'il puisse assurer tout le match. Après, il peut très bien être remplaçant, hein, des défenseurs, il en manque pas. Enfin, ça dépend de votre team, évidemment. Mais il peut être remplaçant aussi. Ou sortir à la mi-temps. Ok, très bon défenseur. Je suis plutôt satisfait de ce... De ce Léon. Un bon Léon. Un jour, les Mexicains reviendront. Ouais. La mage, t'en penses quoi? Écoute, je pense... Alors, ça dépend. au niveau des récompenses, des rangs, tout ça, franchement, ils ont fait du bon boulot. C'est très cool. C'est très cool. Les joueurs, Matteo... Voilà. Le calce bleu, franchement impressionnant. Le Dick, très bien. Après, pour le reste, je ne sais pas. On verra. Enfin, il faudra tester. Hein. Pour les critiques et les affichages. Alors, l'affichage, ok. Et pour les critiques et tout, on verra. Hein. On verra. J'avais l'ancien dans ma team jusqu'à hier. J'en pouvais plus. Mais Cellini est venu me sauver. Ah, bah, remplacer l'ancien Dick par Cellini, je pense que. Je pense que t'es pas mal, effectivement. Allez, je vais aller faire les tickets Dreampo, puis après on va voir. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt positif. Je suis plutôt content de cette mage, mais on verra, hein, parce que on a l'affichage qui est bien, parce que ça va nous permettre de mieux gérer la stam du gardien. On a moins de critiques, donc tant mieux. Mais après, qu'est-ce que ça change exactement? Le critique, on sait toujours pas le boost de stats que ça octroie. Donc on sera toujours un petit peu dans l'incertitude quand il y aura un critique. Il y a moins de critiques. Mais on sera quand même dans l'incertitude s'il y a un critique. Et la RNG, a priori, n'a pas été mesurée. À part les critiques, on aura toujours des situations complètement débiles. Comme le tir A1, tir coup de feu de Margus qui rentre contre un S65 de Genzo. Hein ? Ça a été vu, ça. Et c'est n'importe quoi. Quand vous faites le calcul de la puissance, c'est n'importe quoi. 5, je peux en faire que 3. Est-ce que je peux avoir un SSR ? Alors pour optimiser, normalement, il faut faire en single. Hein. On est d'accord. Mais j'en ai tellement rien à cirer de ce Dreampo. J'ai tous les joueurs sauf le Napoléon. Donc je serais content d'avoir le Napoléon, mais il va pas... Ça va pas me changer la vie, quoi. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Merci, au revoir. Hop là. Demain, SSR. Non, pas demain. Puisqu'on récupère des Dreampo dans l'event à points. Tout à l'heure, j'aurai un SSR, cet après-midi. Ah bah, c'est exactement ça. Donc voilà. Alors, ça, c'est bon, pour l'instant, il cumule. Et deux tickets SSR. Ouais, moi, je les claque. Levin. Levin Cohésion. C'est parti.
Levin Cohésion et j'invoque pas sur le portail Europe. Allez, allez! Allez, allez! Levin Cohésion! Je t'attends! Vous savez quoi? Si sur le deuxième ticket, je chope le Schneider bleu potentiel, je sais pas ce que je fais. Faut que je fasse un truc. Faut vraiment que je fasse un truc. Ah, je rigole. Si je rigole déjà pour commencer. Je rigole très jaune. Hein. Et ce sera pas une question de dentifrice. Hein. Je suis sûr. Allez, Schneider bleu. Le Levin Cohésion ou le Schneider bleu potentiel. Ah, ça, tu peux pas faire autrement là. Tu peux pas faire autrement. Allez, allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, le jeu. Tu peux le faire. Ce serait le plus grand moment YouTube. Vas-y, tu peux le faire. Et Twitch. Twitch pour commencer. Ah non, déception. Oh, la déception. Non, je suis déçu, là. Ah, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Bon, bah... Voilà. Je le veux. J'en ai plusieurs. Je te le donne dessus. Échange. Ouais, vas-y, viens, on échange. Bon, il y avait rien d'autre. Hein. On est d'accord. Hein. Il n'y avait rien d'autre. Je te file un drac au feu brillant. Qu'est-ce que j'en fasse, moi? J'en ai déjà un drac au feu. Sur le pyjama de mon fils. Ah là 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 là. Allez, ça se tente, hein. Ça bug le live ou c'est que de mon côté? Que de ton côté, ouais. Fais la juve. Non, je m'en fous de la juve. Ah, file-moi un SSR. Tu m'as tellement déboîté sur la dernière fois. File-moi un SSR. Schneider bleu. File-moi le Schneider bleu. Oh là 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 là, 5 pigeons. Ça fait combien de multi sur ce portail sans avoir de SSR? Sincèrement. J'en peux plus. Allez. Ah, mais j'étais carrément dans ce mode là. En mode. C'est de l'eau, hein, on est d'accord. Hein. Mais j'avais. C'est comme si je buvais un bon verre de saké là. Une grosse gorgée de saké là. Vous avez vu le vieux japonais là? Oh là 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 là. 5 pigeons. Allez, les filles, venez les filles. Hobson, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je me sens pas bien.
Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.